Bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode des Ados Parfaits. Qu'est-ce que c'est que ce look? Voir ce qui se passe. Oh my god! C'est quoi ça? Qui t'a habillé comme ça? C'est toi qui t'es habillé comme ça? Mais non, c'est pas là que je vais faire, c'est là. Ah oui, mais non, ça va pas être possible, mon petit, hein. Allez, dormez tous. Et donc, bienvenue pour les ados parfaits. Et la dernière fois, nous avions réussi. Regardez. Ça, c'est papa vampire. Nous avions réussi à tous les rendre tous dans le vert, valider tout ça. Il reste plus qu'à attendre qu'on passe l'anniversaire. Et il faut surtout pas qu'ils demandent des conseils à leur daron. Sinon, bah, c'est la merde. Donc voilà, Papa John est devenu un Vampires marathon de streaming. Et lui, il retourne directement sur le PC. Il est con, hein. Je l'ai relooké, parce que la dernière fois, c'était une cata. Mais je crois qu'effectivement, il y a peut-être des... John a obtenu 9000 abonnés. Pff, tu es très beau gosse, John. Tu sais quoi, tu vas encore aller courir. Parce que on n'a pas fini que tu courses. Faut que tu perdes un peu de ton poids. Donc là, il est en mode vampire. Mais pourquoi ils viennent toujours là pour se changer? Ils ont un problème, hein. Et puis, voilà. Donc, on va refaire une petite introspective. Il nous reste 4 jours avant l'anniversaire des gosses. 3-4 jours. Disons que, de toute façon, ils sont tous... Là, il y a 5. Mais quoi? Pourquoi ils n'ont pas le même âge? Ils sont cons. Il y en a, c'est 5, il y en a, c'est 3. Donc, je veux dire, s'il y en a qui vieillissent dans 3 jours, je suis obligée de faire vieillir tout le monde. Hein. Pourquoi c'est 3? Je comprends pas. Enfin, bref, on va refaire juste. Lui, tout est validé. Tout est validé pour Charlotte. Nicolas, tout est validé également. Pour Philippe, tout est validé. Pour Louise, tout est validé. Pour Cécile, tout est validé. Et Aurélie, tout est validé. Mais alors, vraiment de justesse ici pour la résolution de conflits. On va peut-être essayer de mettre ça un peu plus de consolider, on va dire, et puis ce sera plutôt pas mal. Oui, il est toujours énervé. Hein. Soif étrange, deviens un vampire. Ben oui, mais t'as déjà mangé quelqu'un, hein, me semble-t-il. Et puis, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aussi commander des plaques de plasma parce que ça va être compliqué pour te... On peut pas encore commander les plaques de plasma. Commander. Et non, on ne peut pas, donc tu vas faire des recherches sur les vampires, parce que si tu chopes le truc d'info des plasmas, on pourra au moins faire quelque chose de toi. Après tu vas prendre une douche. On en a une qui est debout. Oh la violence! Pourquoi t'as une crotte? Mais ça va pas, hein. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais il est sérieux? Oh ouais, non, mais je veux pas ni conseil ni rien. Tu lis ton bouquin. Tu manges si tu veux, cocotte, mais... Ok, tout le monde va aller en cours. Oh, putain, ils me fatiguent tous, mais vous imaginez même pas. Charlotte? Charlotte, t'es pas encore levée vraiment. Tu vas aller aux toilettes et puis tu vas manger. Philippe, toi, t'es déjà en train de manger. On va te laisser faire. Toi, tu vas aller aux toilettes. Tu vas aller manger. Toi, pff, oh Nicolas, rien ne va. Nicolas, rien ne va. Tu vas faire tout ça. Bon, je vous dis, 3 salles de bain, c'était pas trop. Tout le monde est levé. Ah non, Cécile, je l'ai oublié. Cécile, toi. Moi aussi, tu vas aller tout de suite. Alors toi, me casse pas les couilles, tu vas pas te laver les mains, on s'en fout, on est des dégueulasses. Oh tiens, petit clin d'œil, hein, il pleut encore. Bon, je tiens à dire que tous mes challenges que vous voyez, c'est des parties différentes. Hein. Moi j'ai toujours de la pluie. Alors ce que vous allez faire, c'est réviser. J'ai pas le temps de leur faire faire grand chose le matin, je suis d'accord. John a lu, et ben il s'est bien suivi. Merde, c'est pas ce que je voulais cliquer. On va tous réviser assidûment. Qu'est-ce que tu fais?
Non, c'est bon, va pas aux toilettes. Ok! Et Nicolas va en cours. Comme ça, on est bien. Ah, je vous jure. C'est le matin, c'est un peu la course. Ils vont dans tous les sens. Ah, le boulot, le boulot. On va faire ça à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et drôle, avec 5 sims différents. Est-ce qu'on peut sortir parce qu'il pleut quand même et que nous on n'est pas. Ah, on va les faire venir à la maison. En tout cas, faire, on s'en fout. Thomas, alors tu vas appeler un. Non, ça c'est ta fille. Oh, tu vas faire venir Lilith. Putain, mais t'as pas beaucoup de connaissances, hein. Avec tes filles. J'ai été les relooker, les petites, rapidement. Vous voyez qu'elles ont là les cheveux un peu plus longs et la petite, je lui ai remis aussi une coupe. Voilà. Lilith est une vampire. D'accord. Mettre à jour son profil deux fois. Bah, tu vas le faire. Oh, il m'a pété le truc. Publier un statut. Ah non, c'était pas publier un statut, c'est. Mettre à jour son statut. C'est la même chose, hein. Quoi? Oh non, pas ça. Oh. Charlotte. Ouais, on va diminuer plutôt les manières. Ça, c'est facile à rechoper. Voilà. J'adore. J'adore. Ah bah ça, tu vas pouvoir l'inviter à entrer. Hop. Bon, on a pu appeler qu'une seule personne qui veut venir. Cécile va arriver, Marina va arriver. Et Caleb aussi. Bah, c'est cool. Ah, Calebou, il arrive aussi, ouais. Il a pris ses nièces avec lui, et puis... Elle est là, la petite. Ah! Ils ignoraient. Appelle-la. Elle est où, l'autre? La bambine? C'est bon. On ne pas qu'on se la fasse kidnapper par un pédo qui passerait dans le coin, quoi. Ce serait dommage. Ok, tu vas être drôle. Tu vas... Drôle. Toc toc qui est là. Mais on s'en fout, suive le plan. Oh. Hop, blague sur la mode. Toi, tu vas être drôle. Raconter une histoire drôle. Qu'est-ce que tu fais? Tu trolles rien! Oh, et ça, là, qui a... Allez, remplacer parce que ça m'agace. Caleb, tu peux virer ton parapluie? Ah oui, sa fille, sa première fille avec Lilith. Cécile, elle est mignonne quand même, hein. Bon, 5 sims différents, mais nous, il nous en manque une déjà, là. La petite, je sais pas où elle est. Elle s'est perdue dans la nature, on s'est fait kidnapper notre enfant. Et j'ai vu, en fait, les petites sont toutes les deux vampires, parce que comme... Voilà. Comme on avait eu un enfant... Mais qu'est-ce qu'il fout, sérieux? On avait fait un enfant avec Lilith, mais alors qu'il était humain encore. Bah voilà. C'est plutôt pas mal de pouvoir de voir que ces deux filles sont déjà des vampires. Je vais y arriver. Bon, il n'a pas été drôle avec tout le monde là, je comprends pas trop. Vas-y, viens. Mais pourquoi là d'un seul coup j'ai tout le monde? Tiens, il y a Yuki aussi. Oh, Sonia Gothic, allez. On va en appeler plein, il y en a bien quelques-uns qui vont venir, non? Il y a eu un petit lag là quand même. Ouais, 3 sur 5, il en manque que 2 et c'est fini, on a fini notre job. Devenir une bonne amie de John, bah, c'est cool la petite. Est-ce que tu peux demander à Calebout une vampire, demander une formation. Ouais, on va avancer aussi dans nos pouvoirs. Ah, atteint le rang de vampire mineur! Kenora. Ça, il va gagner des points. Il a 7 points. Ah, Yuki est entrée. Mais Moira, je t'ai dit que tu pouvais rentrer aussi. On va lui rigoler à la tronche, quand même, ça va lui faire une petite blague. Elle aussi.
C'est quoi? Non. Drôle. Faire une blague sur la mode. Voilà. Allez. John. Vas-y. Yazoo. Bimbus. Noi. Noi. Fras Bobsel. Chichi. Allez. Pipsalagouche. Oh punaise, elle a chaud aux fesses, elle, attention. Hein. On s'en fout, vas-y. Appelez. Non, tu l'appelles pas. Allez, encore un Sims et on est bien. On est très bien. Calebousse. Vampire. Mince, on l'a déjà fait. Eh, mais regardez, d'ailleurs, on est dehors, hein. Et on n'a pas de problème de cramage. Pour l'instant, en tout cas. Est-ce que t'as faim, mon petit John? Est-ce que tu veux pas la manger, la petite Yuki? Ah, vas-y. Mais tu t'as pas été. Oh non, mais elle va tomber dans les pommes. Crotte. T'as pas fait la blague quand je t'ai demandé de la faire. Tu t'es chiant, hein. Ils font jamais ce qu'on leur demande, ces signes. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Ça, s'il avait faim. Bah, il avait faim. Donc, ça pourrait être. Ça le repimpe. Alors, bah, dis donc, toi, tu vas faire le minimum. Toi, tu vas réviser. Toi, tu vas faire le minimum. Toi, tu vas réviser. Et toi, tu vas réviser. Savez, je les ai pas. Je les ai pas fait. Voilà, les autres s'en vont. Voilà! Ouais. On va revoir un petit coup histoire de se faire la main, d'acquérir des petits points de pouvoir là. Hein. C'est pas mal. Comme ça, on pourra s'amuser. On lui a déjà fait une blague. Hein. Ça fait du bien de se faire vider du sang, non? Et hop là! Vas-y, raconte ta blague et après, dès qu'elle se réveille, on refait. Oh là 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 là, regardez-moi! Regardez-moi tout ça! Oh punaise! Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es tout zébré. Bon! L'école est finie pour aujourd'hui! BBA, BBA, BA, BA. Alors, on va au cas par cas. Toi, t'es triste. Toi, si tu veux aller pleurer un coup, si tu me saoules. Voilà. Tu vas. Ouais, quatre fois. Toi, tu as besoin de divertissement, mais je pense que t'es pas la seule. Lui aussi. Tac, tac. Ouais, d'accord. Lui, il va aller prendre une douche avant. Tu vas aller prendre une douche et après tu vas jouer avec Charlotte. Jouer avec Charlotte. Voilà. Nicolas. Nicolas, t'es plutôt pas mal. Tu vas aller manger un truc. Toi, on t'a déjà vu. Toi, tu vas nous prendre une petite touche aussi. Toi, t'es en colère. Est-ce que tu vas aller faire caca en étant en colère? Oui, tu peux. C'est très bien. Et puis, on va te laisser faire après. Et toi, t'es aussi en colère. T'es même enragé. Tu vas être calmé un peu. Est-ce que tu peux aller prendre une douche froide? Tac, et puis t'iras manger. Voilà! L'essentiel aussi, c'est que ils n'aillent pas demander conseil à leur père. Normalement, non, hein? Putain, cette façon de marcher, ça me fera toujours rire. Et donc, c'était qui qu'il avait perdu? Ah bah, c'est Charlotte qui a perdu ses manières. Ah bah. Amical. Complimenter la tenue. Tac. Bon, alors, tu as fait ta blague ou quoi? Non. Ben non. Ben non. Allez, fais ta blague sur la mode à Yuki. Au pire, tu la feras sur ton fils. Là. Ça y est! Ah bah, il était temps! Ok, c'est bon. C'est bon.
Vampire. Méditation obscure. Voilà, repose-toi un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Elle va aller manger sa salade. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Toi, oui, non mais. Tu peux va prendre une douche parce que depuis tout à l'heure tu pues en fait et c'est pas cool. Toi, mieux toi? Ah oh, bah il va faire cette fois. Mon papa il fait sa méditation plein milieu de la cuisine. Hein. C'est trop cool. Oh oh oh. Qu'est-ce que tu fais toi? Je veux personne demander conseil. Hein. On est d'accord. Par contre, toi, tu vas te calmer, cocotte. Si tu veux faire, tu fais tes devoirs. Nous, on doit remonter Charlotte. Laisse ton frère. Ouais, laisse ton frère aller mieux là. Ça va se laver et tu vas être. Voilà. Tu vas mettre la table. Voilà. Toi, t'es concentré. Ils sont où t'es... Fais tes devoirs. Hop. Ok. Après, tu fais tes devoirs, toi. Toi aussi, tu vas faire tes devoirs. Toi aussi. Hop. Ouais, toi, c'est bon. Et toi? Non, pas de conseils. Tu vas griffonner furieusement si tu veux et après tu fais tes devoirs. Allez. Ça suffit, hein, maintenant. Alors, Charlotte, ça va mieux? Les manières? Les manières, les manières, les manières. Complimenter la tenue. Illuminer la journée. Complimenter la tenue. Voilà, ça devrait remonter un peu. Regardez-moi tous ces enfants. Bon, il en manque un. Bah, il en manque une qui est partie. Ouais, voilà quoi. Bon, Charlotte, on t'attend que tu remontes la pente. Elle griffonne. Son contrôle des émotions est bien. La résolution de conflits, elle est quand même un peu juste. Hein. Cheminée sans portée. Tchuk tchuk tchuk. Non, il n'y a pas d'autre. Ouais, elle est joueuse, elle est pas juste bien, quoi, donc c'est chiant. Parce qu'il faut qu'elle soit en heureuse pour faire. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, la résolution de conflit est tellement juste pour tout le monde. Devoir terminer. Essayer de se calmer. Bon, toi, tu sais quoi? Tu vas faire à manger. Tu vas servir le dîner. Sandwich au fromage fondu. Allez. Bon, Charlotte, tu... Non, faudrait la calmer, je crois, elle aussi. Ah, elle va mieux. Crise évitée. Parfait. Toi, tu vas faire quoi? Bon, si tu veux. Si tu veux, tu pourras remplacer aussi ça. Hop. Niveau de compétence cuisine. Et c'est parfait. On avance petit à petit, mais on avance. Yes, 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 yes. Elle est redevenue heureuse, donc illuminée la journée. Amical, complimenté, illuminé, check, check, complimenté,
Mais je me gourre. C'est Charlotte qu'il faut que je fasse, c'est pas elle. Oh, c'est pas grave, hein, c'est toujours ça de pris. Charlotte, Charlotte, Charlotte. Non, je lui laisse faire ses devoirs. Et puis, Libna, bon, ok. Il est presque à 100 000 abonnés, John. Ça, c'est bien. En plus, je lui fais lancer un petit stream. Mais il gagne. Waouh, regardez, 95 000 sur 100 000. C'est énorme. Alors, toi, tu vas avoir niveau 3 dans une compétence. Fais voir tes compétences. En charisme, tu as 2. On va augmenter ton charisme. Dans ce cas-là, tu vas t'entraîner à faire un discours. Ouais, on y est. Paul, c'est pareil. Fais-moi voir. Devoir terminer. Attendez, devoir terminer. Bah oui, il a déjà A, lui, donc c'est bon. Bah écoute, tu peux faire ta vie. Mais sous contrôle que je regarde quand même ce que tu fais. Moira, non, mais on s'en fout. Cécile, t'as fini tes devoirs. Hey, tu vas t'excuser direct. Elle a un problème, elle, hein? Tu sais quoi? Tu vas contrôler tes émotions. Voilà. Et fais voir. Tu as 2 sur 3 en quoi? Cuisine. Comédie et charisme. Ouais, très bien. Bah, elle pourra réécrire plusieurs fois dans son carnet intime. Voilà. On va faire pause tout doucement. Toi, tu fais quoi déjà? Non, toi, t'es où? T'es là. Toi, t'as besoin de divertissement. Est-ce que les manières, c'est tout juste, Auguste? Il te faut aussi troisième point de compétence. Charisme, cuisine, danse, fitness. Oh, bah, tu sais quoi? Tu vas faire de la danse? Vu que t'as besoin de te divertir en même temps, donc un petit peu de danse, ça te fera pas de mal. Compétence 2 niveau écriture, nickel. Louise. Non, ah, il faut arrêter de dire des méchancetés là. Est-ce que toi t'as. Ouais, il faut que tu sais que tu gagnes un point en compétence. Bah, t'es au plus haut, t'es en charisme, mais tu vas faire à manger, tiens. Salade de jardin et servir le dîner, macaroni au fromage. Bon, on était sur Charlotte. Charlotte, elle est toujours joueuse, hein. Niveau manière, voilà quoi. On n'y est pas encore. Et est-ce qu'elle doit travailler? Non, elle a déjà A de moyenne. C'est parfait. Oh, il met la musique à fond. Non! Mélancolie adolescente, personne ne m'aime, personne ne m'aimera jamais. Pourquoi ne pas tout laisser tomber? Je t'aimerai toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut se permettre de que bah, les manières et la responsabilité, c'est plus facile, hein. Les gens t'aiment, regarde. Bien sûr, ça diminue soit l'empathie, soit le contrôle des émotions. Et bien, ce sera le contrôle des émotions, puisque il va écrire tout de suite dans son truc. Voilà. Et il n'est plus compatible. Ça, on s'en doutait. Est-ce que tu peux aller courir pour te vider l'esprit 2 fois? Et quand tu rentres, tu écris dans ton journal intime 2 fois. Ah, il fallait pas aller demander conseil, mon gars. Là, tu. Voilà. Fatigué, ben tant pis. Est-ce que toi, ça va? Ça remonte. Il gagne un petit peu. On n'y est pas encore. Hein. Charlotte, t'es toujours joueuse, hein? Finis tes devoirs, bon sang de bonsoir. Oh, c'est pas possible. Et voilà, compétence 2 pour la demoiselle en cuisine. Voilà, hein?
Si ça suffisait que ça, et puis tu feras un tacos au tofu. Si comme ça, il y aura plein de bouffe dans le frigo. C'est parfait. J'ai plein de clics. Toi. Va pisser et va manger. Et est-ce que tu as ouais, compétences aussi augmentées, charisme, fitness et programmation? Ouais, bah, va faire déjà ça, on s'occupera de toi après. Youpi! Charlotte a enfin terminé ses devoirs. Bon, les bonnes manières, la cocotte. Tu vas. Tu peux être sympa avec ton daron. Flatté. C'est déjà pas mal. Quoi? Mais je t'ai pas dit d'aller dormir, toi! Non, mais le mec, il me troll depuis tout à l'heure. Non, 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 tu te lèves. Tu vas courir, je t'ai dit, putain! Oh, tu te prends pour qui, là? Alors là, il y a tout qui est cassé. Oh, on va perdre de thunes à cause de leurs conneries. Je vérifie s'il n'y a pas de... Conseil! Non, il n'y a pas de conseil. Papa, reprends ta toile, sinon tu me stresses. Elle a fini ses devoirs. Elle, c'est bon. C'était la résolution de conflit qu'il fallait augmenter, mais on est bien quand même. Est-ce que papa, il a des problèmes avec quelqu'un? Je suis pas sûre. Hein. Et puis ça marche une fois sur 40, donc voilà. Est-ce que tu as gagné ton point de compétence? Cuisine. On y est presque, on y est presque. Je vais lui faire faire un plat, servir le dîner, tacos au tofu. Il y a plein à bouffer dans la baraque maintenant. Charlotte. Charlotte, va aux toilettes. Si tu sais pas le faire toi-même. Après, tu prendras une portion de ça. Et tu regarderas la télé. Et toi, tu t'améliores ou comment ça se passe? En tout cas, ça a bien monté. La danse, on est presque à 3. Ok. Après, tu iras manger. On est bien comme ça, non? Qui c'est que j'avais envoyé faire du charisme? Je me souviens plus. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dors. Pourquoi? Est-ce que tu as le droit de dormir? Est-ce que tu as... Non. Ouais, c'est peut-être elle que j'avais envoyée en charisme. Eh ben, tu vas pas dormir! Je suis désolée, je suis très lente, mais à un moment donné, il faut faire ce qu'il faut. Voilà. Je veux que tu gagnes des points de compétence, sinon c'est pas charisme. J'ai la comédie, j'ai l'écriture, la cuisine. Alors peut-être l'écriture. Tu vas écrire dans ton journal intime. Allez. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, tu ne demandes pas conseil. Alors là, non! Et va aux toilettes. Mais par où avec sa poêle? Bonjour, quoi. Lui, c'est bon. T'as eu ta compétence? Non, toujours pas. 2 sur 3. Tu vas redanser un coup après, alors? Ouais, on y arrive. On va y arriver comme ça. Hein, on va y arriver. Hein. Oui! Elle est enfin heureuse, complimentée, ta 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 ta, illuminer la journée et complimentée pour faire remonter les bonnes manières. Et voilà! Hop. Alors, il y en a un que j'ai vu revenir là. Oui, mais... T'as toujours pas regagné le contrôle des émotions. Bon, tu vas prendre une douche. Et il pue. Tu vas écrire dans ton journal intime. Oh Alors, diminue empathie, résolution de conflit, contrôle des émotions. Surtout pas la résolution de conflit, parce que là, c'est tout juste. L'empathie. Ouais, hein. On va faire diminuer les contrôles des émotions puisque c'est la seule chose
Oh, j'en ai marre qu'ils font conseil là, j'en ai marre. Mais meuf, tu sais pas faire toi-même ta vie? Allez hop, tu vas écrire dans ton truc. Ah non mais... Casse les couilles, hein. Il y en a un que j'arrive à remettre dans les bon, dans le bon chemin, t'as tous les autres qui partent en vrille, quoi. Oh là 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 là. Mais lui, il est au bord, hein. Qu'est-ce que t'as, toi? Mais tu es l'hume. Musique alternative. Allez, 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 allez. Voilà. Oh non, mais putain, mais sérieux, j'en peux plus, là. Diminuer responsabilité, résolution de conflits ou contrôle des émotions. Bah, la responsabilité. Allez. Mais non. Mais non. J'en ai marre. Laissez votre père tranquille. Ah, la responsabilité, de toute façon, c'est que les devoirs, hein, en général. Hein. Est-ce que tu peux pas refaire des devoirs? Si, mais tu vas faire du travail supplémentaire. Voilà. Et tu vas te coucher. Ah bah, c'est la punition. Tu saoules ton père avec tes trucs. Papa, vends ta toile. Voilà. Ok, compétence 3 pour Aurélie acquise. C'est parfait pour l'école. Tu peux arrêter d'écrire et tu pourras manger. Et après avoir mangé, tu pourras aller dormir. C'est parfait. Au moins, c'est ça de gagné. Oui, Paul is back in the game. Contrôle des émotions. Bon, je vais le laisser faire, hein. On verra après. Oh, qu'est-ce qu'il y a entre vous là? Vous fightez? Tu vas t'excuser, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh là là. Et t'excuser aussi, voilà. 15 abonnés pour John. Voilà, plus en résolution de conflit. Ça a l'air d'aller mieux. Elle aussi? Oui, comment ça a bien augmenté? Rien que là, je suis zen. Aurélie, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Après, tu iras te coucher, c'est prévu, c'est parfait. Ouf! Oui! Ouah, ça c'est bon. Troisième point de compétence pour Nicolas de gagner. Tu as gagné ton droit d'aller dormir, mon petit. Ah, papa, tu peux ranger ça encore. Tu peux aussi nettoyer ça. On va éteindre. Voilà, tous les gosses sont partis se coucher. Toi, tu vas te prendre une douche et et on va essayer de. Tu vas essayer de streamer. C'est pas grave, il est 2h30 du matin. Tac, tac, tac. Des sports incroyables pour gagner les 100 000 abos. Et moi, c'est là-dessus que je vais donc vous laisser pour cet épisode. En espérant qu'il vous ait plu. C'est vraiment chaud, chaud, chaud. On va refaire un petit tour d'horizon rapide. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, non, la responsabilité de Nicolas n'est pas bonne. Mais c'est pas grave, je sais qu'on les aura en faisant les devoirs. Mais c'est vraiment les derniers devoirs. Donc, faut vraiment être vigilant qu'il faut plus qu'il se demande conseil. Parce que c'est plus possible. Lui, c'est bon. Ouais, elle, c'est bon. Elle, c'est bon. Et elle, c'est bon. Donc, c'est bon. On a perdu, mais on a regagné tous les qualis personnels qui s'étaient cassés la gueule, en fait, hein. Ah non, on a pas, je suis trop fatiguée pour sortir la Lilith. Allez, moi je vous embrasse très fort et je vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine pour un prochain épisode des Ados Parfaits. Allez, salut!